Bonjour Franck. Bonjour Chili. Vous décorez le sapin de Noël? Tu peux l'allumer, Chili. Joyeux Noël, les amis. J'espère que Crocomile ne prépare pas un autre mauvais coup. À quoi sert l'œuf? Oh non, c'est un œuf incendiaire. Super Truck, Crocomile a mis le feu au sapin de Noël. Le feu est trop important. Franck ne peut pas l'éteindre seul. Tu dois l'aider, Super Truck. Il est temps de se transformer. Camion de pompiers, sauvons le sapin de Noël. Continue comme ça, Super Truck. Beau travail. Le feu est éteint. Qu'est-ce qui cloche, les amis? Wow, le sapin n'a plus de lumière. Bon travail, Chili. Qu'est-ce qui ne va pas, Carrie? Oh non, il y a un incendie au dîner. Un autre arbre a pris feu. Comment est-ce arrivé? Super Camion de pompiers et Franck vont s'unir pour éteindre le feu. Ça fonctionne. Crocomile, c'est sûrement lui qui a mis le feu à cet arbre. Crocomile, halte là! Oh non, pas un autre œuf incendiaire! Le feu va atteindre les cadeaux de Noël. Il se propage rapidement. Dépêche-toi, Super Truck! Les cadeaux sont sauvés. Maintenant, au sapin de Noël! C'était quoi, ça? Regardez par là! L'arbre va tomber! Franck, recule! Oh non! Il a besoin de ton aide! Vite, Super Truck! Il est temps de sortir le ST-3000! Utilise le grappin pour retenir l'arbre! Allez, Franck! Relève-toi! Carrie, c'était très courageux! Éteignons ce feu une fois pour toutes! Super Truck, tu es le meilleur pompier de Car City! Oh non! Le sapin du dîner de Noël est fichu! Carrie, pourquoi ne fêterais-tu pas Noël avec Super Truck? Chili, Super Truck, Franck et Carrie vont arriver d'une minute à l'autre. Tu es en état d'arrestation. Tout le monde peut fêter Noël en paix. Joyeux Noël! Waouh! On s'amuse bien! Quelqu'un a besoin de toi, Super Truck! Oh non, ce petit a très froid. Mmh.
Il a besoin d'une écharpe et d'un bonnet. Je crois que Massimo en a. On peut les récupérer sur le chemin. Oh non, Super Truck, arrête-toi. Tu ne vas pas pouvoir passer. La rue est recouverte de neige. Tu dois trouver une solution pour faire fondre cette neige. Un camion catapulte? Génial! Super! Tu as réussi! Massimo, tu peux nous donner des écharpes et des bonnets pour les enfants? Faites attention à vous. La rue est recouverte de glace. On a besoin d'une nouvelle transformation. Super camion à ventouse. Allons sauver les enfants. Oh non, les trois enfants sont transis de froid. Super Truck, on doit les couvrir rapidement. Mais comment faire? Il faut utiliser le ST-3000. Waouh! Tu as cloné Amber! On peut habiller les enfants deux fois plus vite maintenant. On a réussi! Les enfants sont bien au chaud. Et voilà pour notre nouvel ami en neige. Joyeux Noël, les amis! Bonjour, Super Truck! Wow, quel superbe sapin de Noël! Vraiment très beau. Buvons un chocolat chaud en attendant le Père Noël. Oh, qu'est-ce que c'était? D'où vient ce cadeau? Mais... c'est le Père Noël. Il a perdu le contrôle de son traîneau. Super Truck, suivons-le. Le Père Noël va s'écraser. Père Noël, est-ce que ça va? Père Noël, vous êtes malade. C'est pour ça que vous n'arriviez pas à conduire votre traîneau? Mais comment allez-vous livrer les cadeaux alors? Super Truck, tu peux nous aider? Un hélicoptère? Pourquoi faire? Oh, tu vas remorquer le traîneau. Très bonne idée. Comme ça, le Père Noël va pouvoir continuer sa livraison. C'est un miracle de Noël. Ha ha,
C'est très amusant de conduire le traîneau du Père Noël. Oh, nous survolons le magasin de pneus de Massimo. Hein? Le Père Noël arrive, Massimo. Un cadeau pour toi, Massimo. À vos souhaits, Père Noël. Joyeux Noël, Massimo. Quelqu'un arrive, Tom. N'aie pas peur. C'est le Père Noël. Joyeux Noël, Tom. Oh non, votre rhume empire, Père Noël. Terminons de livrer les cadeaux. Vite. Nous avons presque terminé. Père Noël, allez-vous encore éternuer? Oh non! Le Père Noël a éternué tellement fort qu'il a cassé la corde. Super Truck, tu dois faire quelque chose ou le traîneau va s'écraser. Un parachute? Excellente idée! Essaye de l'attacher au traîneau. Super! Bon travail! Phew! Bel atterrissage! J'espère que vous irez vite mieux, Père Noël. Heureusement, nous avons plein d'amis pour prendre soin de vous. Et à toi, Super Truck, merci pour avoir sauvé Noël. Bonjour, Ben. Tu vas au centre-ville? Ah, tu vas voir le sapin tout décoré pour Noël. Quelle chance! La neige bloque le chemin des enfants qui veulent aller voir les décorations de Noël à l'hôtel de ville. Je crois qu'il est temps d'appeler Super Truck. Tu ne crois pas? Bonjour, Carl. Je vois que tu as reçu des cadeaux du Père Noël. Ben et les enfants ont besoin de ton aide. La neige leur bloque l'accès à l'hôtel de ville. Tu sais comment tu pourrais les aider? Tu vois, Super Truck? Ils ne peuvent pas aller à l'hôtel de ville à cause de la neige. Je crois que tu devrais te transformer, Super Truck. Un bulldozer? Bonne idée, Super Truck. Maintenant, tu peux te débarrasser de la neige facilement. Je crois que Super Truck a fini de dégager le passage. Il reste de la neige au milieu de la route. Il faut s'en débarrasser, n'est-ce pas, Super Truck? Merci, Super Truck. Mais tu devrais aller voir l'illumination du sapin de Noël, toi aussi. Hein?
On dirait que les habitants attendent quelque chose. Mais bien sûr, les guirlandes lumineuses sont éteintes. Super Truck, est-ce que tu peux aider avec l'étoile? Une hélice d'hélicoptère! Quelle bonne idée, Super Truck! C'est bon, on peut la mettre tout en haut du sapin. Tu nous as encore sortis d'une sacrée situation. Merci beaucoup, Super Truck. Joyeux Noël! Bonjour, les enfants! Qu'est-ce que vous regardez? Oh, waouh! Quel beau sapin de Noël! Bien joué, Carrie! Ton sapin de Noël est splendide! Tes invités vont l'adorer! C'est vrai, il va y avoir des cadeaux! Le Père Noël les a donnés à Penny. Elle est en train de les apporter en ce moment même. Vous êtes impatients, les enfants? Bonjour, Penny. Tu apportes les cadeaux de Noël au restaurant de Carrie pour la fête? Oh non! D'où vient ce bruit? Y a-t-il un problème? Prudence, Penny. Ton coffre s'ouvre. Oh non! Les cadeaux! Qu'allons-nous faire? Carl, vite! Penny a un problème. Elle a besoin de l'aide de Super Truck. Regarde, Super Truck, Penny est là-bas. Ne t'inquiète pas, Penny. Super Truck va t'aider. Super Truck! Penny a porté les cadeaux de Noël du Père Noël au restaurant de Carrie quand ils sont tombés de son coffre. Oui, c'est terrible. Les invités attendent leurs cadeaux. Il faut que tu les retrouves et les rapportes à temps pour la fête. Allez, Super Truck, transformation! Vite, Super Truck, la fête va bientôt commencer. Es-tu sûr que c'était une bonne idée de te transformer en camion Ben? Mal-aimé, Renato. Si tu le dis, je pense qu'une voiture de course aurait été plus appropriée. Y a-t-il un cadeau, là? Ah oui, derrière toi. Vite, Super Truck, mets ce cadeau dans ton coffre et continuons. Il faut trouver les autres. Ouais! Plus qu'un à trouver, Super Truck. Cherchons du côté du parc. Vois-tu le dernier cadeau, Super Truck? Oh non! Es-tu sûr de ne pas le voir? Regarde derrière toi. Le voilà, sur la branche. Mais comment vas-tu l'attraper, Super Truck? Cela ne va pas marcher, Super Truck. Non! Cette méthode ne fonctionnera pas. Tu dois utiliser ton ST-3000. Mm-hmm.
Excellente idée, Super Truck. Super Truck, arrête de faire l'idiot. La fête est sur le point de commencer. Attrape ce cadeau et fonce. Super travail! Oh non! Rendons-nous maintenant à la fête de Carrie. Ne t'inquiète pas, Carrie. Super Truck va bientôt arriver. Voici Super Truck avec les cadeaux. Tout le monde a été sage cette année. Tout le monde reçoit un cadeau. Joyeux Noël à tous! Waouh! C'est très beau, les amis! C'est pour Noël! Vous avez raison, il manque quelque chose. Mais quoi? Mais bien sûr, les lumières sont éteintes! Très bien, c'est Walter qui va les allumer. Prêts, les amis? À mon signal. 3, 2, 1. Ça ne marche pas. Je me demande pourquoi. Vous pensez que le Père Noël ne trouvera pas votre sapin si vous ne l'éclairez pas? Il ne pourra pas apporter vos cadeaux de Noël. Nous devons faire quelque chose rapidement. Super Truck, voilà une excellente idée. Carl, que cherches-tu? Ah, rien, Manu. Le Père Noël? Il ne sera pas là avant cette nuit. Les enfants ont besoin de ton aide sur la grande place. Les éclairages ne fonctionnent pas et ils ont peur que le Père Noël ne voit pas le sapin pour y déposer les jouets au pied. Oui, c'est une véritable urgence de Noël. Allons régler ça. Il est impressionnant, je sais. Mais les éclairages ne fonctionnent pas. Saurais-tu trouver pourquoi? Quelque chose d'anormal? Une transformation? Super! Mais en quoi? Un hélicoptère? Génial! Tu vas pouvoir régler le problème depuis les airs! Excellent. Tout est normal de ce côté-là. Bonne idée. Suivons les lumières. D'accord. Elles sont toutes emmêlées. Le problème vient peut-être de là. Gary, peux-tu démêler les lumières? Gary! Mais que s'est-il passé? Merci, Walter. Je suis sûr que tu peux nous aider. Beau travail, Walter. Mais les éclairages ne fonctionnent toujours pas. On devrait continuer de chercher, n'est-ce pas? Gary, les lumières sont-elles branchées à l'intérieur? Tu penses que c'est le cristal d'alimentation? Eh bien, voilà notre problème. Gary, peux-tu brancher ceci? J'avais oublié à quel point tu étais maladroit, Gary. Tu vas essayer de l'autre côté? Bien. Oh non! C'était l'alimentation de la ville!
Carl, tu dois faire quelque chose. Le ST-3000, j'ai hâte de voir ça. Un rayon télékinésique. Excellent. On dirait que ça marche. Super Truck, je crois que tu devrais mieux viser. Oh. Tu veux un compte à rebours? D'accord. 3, 2, 1. Beau travail, Carl. Tout le monde a fait un excellent travail de décoration. Le Père Noël ne pourra pas louper ce sapin, c'est certain. Je crois entendre le traîneau du Père Noël. J'espère que vous avez tous été sages cette année.